Hello les bous, c'est Nuktis. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui. Comment ça va tout le monde? Salut sur le chat, coucou Kalium, je suis ravi de t'accueillir ici. Comment allez-vous? J'espère que vous passez un très bon week-end. On est déjà dimanche, c'est dingue, ça passe juste super vite le temps. On s'est retrouvé hier pour la suite de notre aventure sur Dragon Age de Velgarde. Quel coup de cœur et quel claque ce jeu, c'est juste incroyable ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans cette aventure, ce début d'aventure même, hein, puisqu'on a commencé le jeu le jour de la sortie, et on prend notre temps. D'ailleurs, on a passé tout le stream d'hier, hein, donc plus de 4 heures, à faire majoritairement les quêtes de compagnons et les quêtes secondaires, hein. On a rencontré deux nouveaux compagnons, Bellara et Lucanis. Donc autant vous dire que on a encore du boulot. Mais en tout cas, je suis super content de vous voir aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne journée et que vous êtes content de celle-ci. Moi, je vais tout de suite allumer la belle lumière qui est juste là, j'arrive. Et voilà. On laisse apparaître la lune. Hier, je vous avais parlé de Dragon Age Inquisition. Et j'ai bien envie qu'on regarde une vidéo explicative. Bon, elle dure une heure, donc on va pas regarder l'heure dans son intégralité. Mais c'est une vidéo explicative de l'histoire que j'ai trouvée sur Internet. Sachant que là, Dragon Age de Velgarde est en train de lancer ce qu'ils appellent les shaders, la compilation des shaders. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Ce qui fait que du coup, je me précipite un peu. J'annonce un live sans avoir activé le jeu avant. Donc, il est en train de télécharger des shaders. Donc, ça va durer un petit moment. Surtout que là, j'en suis à combien de pourcentage de shaders? J'en suis uniquement à 18%. Donc, autant vous dire que la compilation des nuanceurs va prendre du temps. Donc, je me suis dit que ça peut être une parfaite occasion pour nous de regarder une vidéo YouTube qui nous parle un petit peu de l'histoire de Dragon Age Inquisition, puisque je sais que vous étiez assez nombreux et nombreuses à vous intéresser à cette histoire. En tout cas, sachez que moi, je suis trop content d'être avec vous. Ça me fait un bien fou, ça me réchauffe le cœur d'être à vos côtés. On s'est vu hier, mais vous m'avez beaucoup manqué à la commu quand même, hein. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier pour votre soutien. C'est juste un truc de dingue. Vous êtes de plus en plus nombreux. J'en perds mon français. Et ça me réchauffe le cœur énormément. En tous les cas, installez-vous confortablement. Merci à toi, Kalium. Je t'envoie plein de gros bisous et plein d'amour, rien que pour toi. Ça fait vraiment du bien. Je vais m'absenter pendant une semaine, hein, pour des raisons familiales. Certains et certaines connaissent la situation, donc je m'absenterai une petite semaine. Vous allez grave me manquer, mais je serai très vite de retour. Voilà, en tout cas, j'espère que le son est bon de votre côté et que tout va bien, parce que moi, j'ai un petit décalage... lorsque je regarde mon retour, mais a priori tout devrait bien se passer. Ok, super. Et bah écoutez, on va se retrouver tout de suite pour oh, t'es trop chou, on sera là à ton retour, t'es trop mignon. Merci Cal, c'est très 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 gentil, ça me touche énormément. Et bien écoutez, on va passer tout de suite sur la vidéo explicative de Raphaël Farmer. Voilà, j'ai trouvé cette chaîne YouTube quand j'ai tapé résumé histoire Dragon Age Inquisition, donc du coup on va regarder ça tout de suite ensemble pour s'imprégner de l'histoire de l'opus précédent, ce qui va nous permettre, c'est bien, de mieux rebondir justement sur le jeu qu'on va faire ensemble. Donc installez-vous confortablement, prenez un bon petit plaid. Vous avez vu, moi j'ai une surchemise, ça tient chaud, ça fait du bien. J'ai pas de chauffage à la maison. Donc du coup, j'ai la surchemise et ça fait un bien fou. Allez, à tout de suite les bous. Et bienvenue à toutes et à tous sur Nocting Game, je suis Noctis et on va passer toute la journée ensemble, oui, toi et moi petit coquin, qui est derrière ton écran. Donc je suis sur une vidéo YouTube de Raphaël Farmer, voilà, je ne connais pas ce YouTuber, mais c'est très cool puisqu'il va nous faire un grand résumé de Dragon Age Inquisition, donc je le remercie par avance. C'est parti, ça va nous rappeler des souvenirs. Donc juste pour info, hein, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, il s'agit de l'opus précédent, celui qui précède Dragon Age de Velgarde, que nous sommes en train de faire en ce moment même. Donc c'est parti. Attendez, je vais vous activer le son pour que vous puissiez bien entendre la vidéo, ce sera peut-être mieux comme ça pour vous. Allez, let's go. Non mais j'adore vous raconter des histoires chez Dragon Age, c'est le best, c'est un kiff total. Et là, aujourd'hui, je vais vous résumer l'histoire de Dragon Age Inquisition. Yes ! La dernière en date, Dragon Age 3, qui est sorti en 2014, qui a été jeu de l'année aussi. Hein. Ouais, c'est clair. À Solas. Alors,
dans cette vidéo, dans ce résumé, donc, j'ai pris le rôle de mon inquisiteur, donc de mon protagoniste, qui est donc un elfe mage et dalassien qui s'appelle Lavellan. Lavellan, c'est une base de l'elfe. Hein. Et donc, du coup, je vais garder le nom pour ce résumé. Et il faut savoir que dans Dragon Age, déjà, de base, on customise son perso et on prend des décisions qui vont affecter globalement le jeu. Même si l'histoire reste la même pour tout le monde, la façon dont c'est raconté, dont ça se déroule, dépend de nos décisions. Et c'est ça qui est incroyable dans ce jeu. Là, je rebondis sur ce que Raphaël est en train de dire, justement. C'est qu'on a vraiment eh bien, une histoire qu'on façonne. Dans les Dragon Age, c'est vous, et uniquement vous, qui construisez votre histoire. Il y a vraiment une vision du choix assez pertinente, je trouve. Et ce qui est trop, trop cool, c'est que eh bien, dans les dialogues, dans les actions que vous allez entreprendre, eh bien, vous allez dessiner, esquisser comme ça la péripétie. Enfin, c'est juste incroyable, vraiment. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus monnaie courante, mais il faut savoir quand Dragon Age Origins est sorti, c'était, si je ne dis pas de bêtises, en 2009. Et à l'époque, c'était peut-être moins courant. Hein, ce genre de jeu. Donc on est vraiment sur les prémices d'un jeu narratif qui est bien plus qu'un jeu narratif puisqu'il va venir aussi apporter un gameplay extrêmement bien construit avec un lore très très riche. Bref, je n'en dis pas plus et je vais laisser la parole à Raphaël. Mais non, Jules ! Mais ça fait trop plaisir de te voir ici, coucou ! Ah mais je t'ai reconnu avec ton pseudo ! Comment ça va ? Bienvenue loulou ! Comment vas-tu ? T'es avec François ? J'espère que tu vas bien, en tout cas. Bienvenue à la maison, t'es ici à la maison. Installe-toi confortablement, je suis très content de t'accueillir. Ça fait trop trop plaisir. Écoute, là je suis en train de jouer à The Dragon Age Veilguard et malheureusement le jeu est encore en installation hein, pour les patchs. Donc du coup, bah, je regarde un résumé des épisodes précédents. Donc il s'agit d'un opus qui s'appelle Dragon Age Inquisition. Est-ce que tu connais de nom ? Ça te parle ou pas ce jeu ? On est vraiment dans un jeu qui a maintenant une vingtaine d'années, un petit peu moins, et qui te centre dans une aventure épique. Tu vas incarner un personnage, différent selon les opus bien évidemment, qui va évoluer dans un univers extrêmement bien travaillé. Et donc Inquisition n'échappe pas à la règle. Il s'agit d'un opus qui est sorti en 2014, et là on regarde une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Raphaël Farmer, et qui est en train de résumer un peu l'histoire de ce jeu. Ah, il est trop sympa. Vraiment exceptionnel ce jeu, c'est une pépite. Tu vois, la musique qui a été faite par Hans Zimmer, notamment très grand compositeur hein, de cinéma, qui nous a fait des musiques mais sublimes. Et t'as surtout eh bien, une inclusivité, il y a une représentation qui est très très importante dans ce jeu et un lore extrêmement bien développé. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Installe-toi. Donc, c'est l'histoire de Dragon Age Inquisition. Vous aurez l'histoire comme elle a été, mais avec, si vous voulez, mon expérience à moi, mon aventure. Et okay. C'est ça aussi qui est kiffant, hein, c'est le partage de ça. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez fait Dragon Age Inquisition, dites-moi un peu les choix que vous avez fait. C'est pas prêt, Raphaël. On va voir un peu les différences. Mais en tout cas, si vous avez raté les premiers résumés de Dragon Age 1 et 2, ils sont toujours disponibles sur ma chaîne. Pardon. Et si vous allez sur ma homepage, vous allez voir la playlist résumé Dragon Age et ils sont là. Quoi. Donc, n'hésitez pas à les voir. Eux aussi sont simples et accessibles, évidemment. Allez, trêve de blabla. Je vais donc prendre le rôle de mon Lavellan et je vous préviens, je ne suis pas acteur, hein, mais je vais essayer quand même d'être assez, dans le rôle. Hein, je vais être dans ses bottes, voilà, et je vais vous raconter donc l'histoire d'Dragon Age 3. Vous préparez déjà à Veilguard, hein, déjà, même si vous pouvez jouer à Veilguard sans Coucou, rien savoir d'Dragon Age. Comment ça va Lulu ? Trop content de te voir ici ! Ah, tu salues tout le monde, t'es trop mignon. Et même le Nightbot. Comment ça va mon Lulu ? Bienvenue à toi. Installe-toi confortablement. Ça fait plaisir de te revoir ici, depuis le défi créatif. Expérience, c'est bien de savoir un peu ce qui s'est passé avant. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Bref, allez, arrête de parler de blabla comme ça. laissez les commentaires, le like, la vidéo, ça aide. Vous savez, la chaîne et la vidéo à se faire connaître. Voilà, et j'adore lire vos commentaires. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à réagir, à laisser des coms. Je kiffe. Préparez-vous. Merci d'être là. Merci de regarder cette vidéo. Vraiment, je vous apprécie pour ça. Merci, merci beaucoup. Voici donc mon résumé. Et non. Accessible. En fait, c'est un youtubeur qui va raconter l'histoire de son Dragon Age Inquisition, donc l'opus qui précède celui auquel on va jouer dans quelques minutes, puisqu'en fait, pour tout te dire, le jeu est en train de s'installer. Du moins, il est en train de faire la compilation des shaders. Donc, en patientant, je me suis dit,
Noctis, ce serait bien que tu fasses découvrir à la commu l'histoire du précédent opus, vu qu'on en a parlé hier ensemble, lorsqu'on a joué au jeu, beaucoup de personnes sur le chat m'ont dit: Ah Noctis, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, etc. Donc j'ai fait un résumé qui était assez grotesque, hein, si je puis dire, et là je me dis, allez, on va pouvoir eh bien regarder une vidéo qui va résumer tout ça, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Tu dis bonjour au bot. T'as raison, il faut le charmer. Si tu charmes le bot de cette chaîne, il sera très très gentil avec toi, Lulu, j'en suis persuadé. Comment vas-tu depuis le défi créatif? Les bouilles, Lulu ici présent a participé eh bien au défi créatif numéro 6, hein, qui avait pour thématique fantôme, et il nous a écrit des poèmes mais sublimes, vraiment, que j'ai adoré lire. Et d'ailleurs, t'as montré la vidéo eh bien à ta maman, c'est ça, il me semble. J'en parle encore du défi créatif et l'échange avec les gens, des trucs nerds et aussi une des nouvelles amies en ligne qui va aussi composer quelque chose bientôt. On parlait des défis, etc. Mais c'est trop bien. C'est trop trop bien. Et je te remercie encore. Et c'était le jour de ton anniversaire en plus, hein, si je me souviens bien. Bah j'ai froid, mais pas trop mal, malgré beaucoup sur mes pieds hier. Ah bah, qu'est-ce qui t'est arrivé sur tes pieds? Mon Dieu. Tu sais, ça peut intéresser certaines personnes. Il y a des fétichistes de pieds ici. Non, mais si tu as froid, regarde, fais comme moi. Tu prends une très bonne chemise. Voilà, moi j'ai pris une surchemise et ça fait du bien. Je n'ai plus de chauffage à la maison. C'est ça, c'était pour tes 49 ans. Hein, on les a fêtés dignement. Dragon Age, Inquisition. Allez, c'est parti. On va pouvoir en apprendre davantage. Le prologue, intéressant. Let's Moi, go! c'est Lavelan. Je suis un elfe, je suis mage, et je suis Dalassien. Et vous n'allez pas croire ce qui m'est arrivé. Je vais essayer de tout vous raconter dans un ordre chronologique, et je vais inclure les détails les plus importants. Alors, un jour, mon chef est venu me voir pour me dire: Écoute petit, t'as maintenant 21 ans, il est temps que tu fasses un peu tes preuves. On a décidé de t'envoyer au grand rendez-vous dans le temple sacré pour surveiller un peu ce qui se passe entre les mages et les templiers. Le conclave. Ok, je savais que les mages et les templiers étaient en guerre, mais genre vraiment avec du feu, du sang et tout ce qui va avec. C'est effrayant, hein. Franchement, c'est effrayant. Mais personnellement, j'étais pour que les mages gagnent cette guerre. Et j'ai été assez vocal dans ma tribu à propos de ça. Je le disais, moi, haut et fort. Et ça n'a pas fait de moi le mec le plus populaire, ça je peux vous dire. Mes potes me regardaient de travers. Mes aînés me fuyaient. Genre, j'étais rentré en sentant comme les rues de Dénérim. C'est exactement ce qu'il est en train de dire en fait, hein. Donc en fait, il faut savoir que dans les débuts de Dragon Age Inquisition, vous allez incarner un personnage que vous allez concevoir de A à Z, ok? Vous allez pouvoir eh bien tout faire, le créer physiquement, mais aussi au niveau de sa personnalité. Et en gros, lorsque vous allez incarner votre personnage, vous êtes envoyé sur les lieux d'un conclave, là où se réunissent mages et templiers. Il faut savoir que dans le lore de Dragon Age, les mages sont des êtres capables de maîtriser de l'énergie magique. Ils peuvent maîtriser les éléments, la foudre, la terre, le feu. Mais ce don est aussi un fardeau, puisqu'ils sont perçus par les autres, les non-mages, comme étant des êtres dangereux. Et donc, il y a des millénaires de ça, ils les ont enfermés dans des tours qu'on appelle les cercles de mages, là où ils sont un petit peu comme dans des cages dorées, ils apprennent à maîtriser leurs dons, mais en même temps, eh bien, c'est aussi un moyen de les contrôler. Ils sont un petit peu, enfin, ils sont même pas un petit peu, ils sont des esclaves. Et du coup, eh bien, il y a une tension à travers les opus de Dragon Age entre les mages et les templiers, qui sont des êtres chargés de les surveiller et de les tuer en cas de danger. Eh bien, cette tension va arriver à son paroxysme dans l'opus Inquisition. Donc, on va se retrouver, eh bien, sur un lieu bien précis où nous, inquisiteurs, futurs inquisiteurs, on ne l'est pas encore, hein, quand on commence Dragon Age Inquisition. On va se rendre sur ce lieu et puis d'un coup il se passe comme une énorme explosion qui détruit tout sur son passage. Les mages, les templiers et toutes celles et ceux qui étaient présents dans le cadre de ce conclave sont brûlés. Il reste plus que des cadavres et des corps calcinés. Et nous, en tant que personnage principal, on va survivre à tout ça et on va être un petit peu comme plongé dans une autre dimension qui s'appelle l'immatériel. Alors l'immatériel, c'est quoi? En gros, l'immatériel, c'est vous qui pouvez la voir à travers vos rêves. Lorsque le soir, vous et moi, on s'endort, quand on ferme les yeux, on est dans le monde des rêves. Mais dans ce monde des rêves, nous sommes un peu inconscients quelque part. On a des démons, des esprits qui sont là. Mais les mages, eux,
ne sont pas inconscients. C'est-à-dire qu'ils ont cette faculté d'être dans l'immatériel et d'être conscients. Donc ils sont confrontés aux démons esprits, ils peuvent converser avec eux, échanger, parler. Et malheureusement, ça peut aussi attirer des démons qui veulent les posséder pour pouvoir pénétrer le monde physique. Bref, on se retrouve dans cet immatériel, et là on est confronté à une terrible créature qui va nous laisser une marque sur la main. Et cette marque va nous permettre de pouvoir détruire les failles, les ouvertures entre l'immatériel et le monde des mortels. Et comme ça, on va rencontrer plusieurs personnages, notamment un compagnon qui s'appelle Solas, un elfe qui semble très énigmatique, très grand, pas de cheveux, mais plutôt beau gosse avec beaucoup de charisme. Et on va très vite se lier d'amitié avec lui, ou d'amour, selon les choix que vous allez mettre en place. Et malheureusement, Solas va nous trahir, puisqu'il se révèle être une divinité elfique, en fin de compte, qui a pour objectif de fusionner le monde de l'immatériel et le monde des mortels, pour que ça puisse revenir comme à l'origine, un et une seule entité. Donc du coup, il part, on le laisse partir, etc. On sent que le danger est à venir. Nous, de notre côté, on a réussi à rétablir un pseudo-équilibre entre les mages et les templiers, selon le choix que vous allez faire en jeu, bien évidemment. Moi, j'ai choisi les mages, je les ai soutenus. Et une fois que tout ça se termine, il va se passer 10 ans. Et on se retrouve dans Dragon Age The Veilguard, qui est à 60%, donc on va bientôt pouvoir y jouer. Et c'est ça qui est génial, en fait, dans ce jeu. C'est qu'on est vraiment sur, toute une dimension ultra fantasy, quoi. Mais exactement. C'est super intéressant, Lulu, je te rejoins totalement. Oh, j'ai fait peur à tout le monde, il n'y a plus que nous deux. Me disais que je parlais tout seul avec toi. Eh ben, écoute, c'est très bien aussi de parler ensemble, et regarde, les gens sont là aussi, mais ils sont pas obligés de parler, hein. On peut, y a aucune obligation. Vous êtes ici à la maison et vous discutez, échangez avec moi quand vous voulez. Il y a aucune pression à avoir. Vous êtes ici à la maison, hein. On peut être très nombreux parfois à parler, et parfois c'est plus calme, et on adore aussi. Oh, mais ça me fait penser, tu vas adorer le film de 1982, The Dark Crystal. Mais j'ai adoré The Dark Crystal, j'ai adoré, et j'ai vu d'ailleurs vu la série, tu sais, l'adaptation sur Netflix. C'est trop mignon, c'est sombre, mais genre c'est tellement joli au niveau de la DA, je trouve. Et j'ai vraiment adoré Dark Crystal, et je sais pas si tu l'as vu, l'adaptation Netflix, je pense que oui, et je la trouve juste géniale, en fait, hein. Ah, la nature des mages, la fantaisie. Il y en a qui sont pas très fantaisistes, hein. Il y en a qui sont plutôt, très sombres. Franchement, je ne comprends pas ce que les immortels et magiques peuvent faire chez nous. Ah non, mais hein, sincèrement, quoi. La série, j'ai pas pu dès le début, avait trop de triggers hémétophobiques pour moi. Alors, hémétophobique, c'est lié au sang, j'imagine, c'est ça? Si je comprends la racine du mot que t'emploies. Dark fantasy, alors, on adore la dark fantasy. Je trouve que c'est un genre qui est extrêmement intéressant, puisqu'il emprunte des codes qui sont censés être lumineux, mais sous un autre aspect, tellement plus sombre, tellement plus réaliste parfois aussi. C'est super intéressant, et il y a un très grand travail d'écriture, je trouve, dans ce genre-là. D'accord. Alors, ça m'explique pas ce que c'est, du coup, hémétophobique. Mais oui, effectivement, héméto, c'est le... Ah, d'accord. Ah ok, d'accord, je me dis bien que je l'avais entendu quelque part. Effectivement, je savais que le sang, c'était ce que tu as cité plus haut, hein, donc, là c'est vrai qu'effectivement, hémato. Mais du coup, je me suis dit peut-être que hémato, c'est la même chose, mais ok, très bien. Bah écoute, oui, j'ai une amie qui souffre de la même chose, et je ne connaissais pas, je connaissais pas vraiment ce que c'était. Elle m'en a pas vraiment parlé parce que c'est quelque chose d'un peu compliqué, mais bref. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir appris quelque chose, c'est très intéressant. Mais oui, donc non, c'est vraiment trop cool, et ce jeu, je ne peux que vous le conseiller, parce que c'est une saga qui est extrêmement intéressante. Vraiment, c'est une saga, moi, qui me porte depuis des années, que je trouve mais vraiment passionnante. Et vous savez, quand on joue à un jeu où on incarne des personnages qui vivent des aventures épiques comme ça, moi, ça me touche et ça me bouleverse, en fait. Je sais pas si vous avez des jeux comme ça, un film ou une série qui vous prend au trip et qui vous bouleverse. Mais moi, Dragon Age, c'est ce que ça fait sur moi. Donc du coup, je suis trop heureux de pouvoir partager cette expérience avec vous. C'est quelque chose, moi, qui
me touche beaucoup et qui me bouleverse. Donc je trouve ça juste ultra intéressant de pouvoir faire ce genre de choses. Oh là 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 là. Ah non mais Morrowind, Oblivion, mais la série Elder Scrolls, j'en suis... Oh la vache, si tu savais. Moi j'ai commencé par Oblivion, j'étais tout jeune quand j'ai joué à Oblivion, et ça a été mais, un coup de foudre avec ce jeu, j'étais à fond. Je trouve que l'univers Elder Scrolls, mais genre, est ultra bien travaillé, c'est un truc de dingue, c'est super intéressant. Et ensuite je suis passé à l'opus précédent Morrowind avec les elfes noirs, et après bien évidemment en 2011 Skyrim, qui a été un des jeux coup de cœur pendant de très 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 nombreuses années. Énorme le potentiel de cette saga avec chez Hogorath, enfin tous les Dédras, tous les Edras aussi, la cosmogonie qui est ultra importante, les divinités, enfin il y a vraiment un univers que je trouve fascinant. Et tu sais quoi? Bah, Dragon Age est exactement dans la même veine. C'est-à-dire que Dragon Age a réussi au fil des années à créer un lore tout aussi riche que Elder Scrolls ou encore eh bien, le Seigneur des Anneaux. T'as vraiment un univers ultra poignant dans Dragon Age où tu vas avoir eh bien, un contexte géopolitique hein, donc, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans Elder Scrolls, notamment dans Skyrim où t'as des tensions entre les impériaux et les nordiques. Et eh bien dans Dragon Age c'est quasi dans la même veine hein, t'as les mages, les templiers, et en plus de ça t'as aussi des régions, Ferelden, Orlaïs, la forêt d'Arlatan, enfin t'as vraiment toute une géopolitique que je trouve extrêmement intéressante. En plus de ça, t'as une DA qui est incroyable, où t'as un travail sur l'architecture, etc. Et je pense, Lulu, que ça va te plaire, effectivement. Dragon Age, c'est vraiment un univers passionnant. Et ce qui est génial, c'est que chaque jeu, eh bien, développe le lore. Tu vois, on est dans un opus qui est sorti 10 ans après le dernier en date. Et ce qui est juste incroyable, c'est qu'ils continuent encore à développer leur lore en jouant sur le lore, en faisant des clins d'œil, en développant par exemple certaines divinités ou certains personnages qu'on a entendu parler dans les précédents opus sans trop étayer les choses. Là, ils étayent à max. Donc tu sens qu'il y a vraiment un univers qui est ultra présent. Ah ouais, ouais, ah, mais le premier Dragon Age, en fait, je crois qu'il est sorti en 2009, il me semble, si je ne te dis pas de bêtises. Il s'appelle Dragon Age Origins. Et en fait, la particularité de ce jeu, c'est de créer ton personnage, donc tu lui donnes le physique que tu veux, le genre que tu veux, etc. Bref, tout ce que tu veux, et tu dois choisir une origine. Donc, c'est-à-dire que ça peut être, eh bien, nain, humain, elfe citadin, ou encore elfe dalassien. Et en fonction de l'origine que tu vas choisir, et puis ensuite leur classe, ça va déjà avoir une origine, donc un départ dans l'histoire. Et c'est passionnant. Un exemple, moi j'ai choisi eh bien, une humaine mage, donc je commence enfermé dans un cercle de mages, où je vais passer à un rituel qui va me permettre de confirmer mon statut, donc je vais passer de néophyte à acolyte, et eh bien, il va avoir Duncan, un garde des ombres, qui fait partie eh bien, d'un groupe séculaire qui lutte contre les enclins, et notamment contre les engeances. En gros, il y a un phénomène dans ce monde où parfois tu as un archidémon qui sort des méandres de Tedas. Et il ne sort pas seul, il est accompagné d'énormément de démons, et donc on appelle cet apocalypse un enclin, en quelque sorte. Et la garde des ombres, a pour objectif de lutter contre cet enclin. Et du coup, il y en a un qui se prépare, donc en fait, Duncan, le chef, vient nous recruter, on part avec lui pour être formé en tant que futur garde des ombres, et là, il va se passer, mais... merde sur merde, c'est-à-dire qu'on va être trahi par l'assistant du roi, Loghain. Donc en parallèle, on doit lutter contre un enclin, donc contre des démons qui vont venir détruire le monde. Et de l'autre côté, on est sur un système géopolitique où aussi on doit lutter contre un traître souhaite contrôler le royaume. Donc c'est vraiment passionnant. Et ensuite, t'as Dragon Age 2, où tu vas incarner Hawk. Donc le début du jeu va se passer en parallèle du premier opus, et c'est ça qui est vraiment passionnant, je trouve, puisque tout est connecté et tout est lié. Et une chose à savoir, c'est que tous les choix que tu vas faire en jeu, bien évidemment, ça va avoir un impact sur la narration, mais c'est surtout que ça va être sauvegardé pour les prochains opus. En fait, à l'époque, EA avait créé le Dragon Age Keep, qui te permettait, eh bien, avec ton compte, de sauvegarder tous les choix que tu faisais en jeu. Et du coup, c'était toi qui créais ton aventure et qui apportait des choses différentes au lore qu'un joueur A n'avait pas, alors qu'une joueuse B avait, par exemple. Et c'est ça que je trouvais mais juste phénoménal. En gros, pour faire une comparaison assez maladroite, Lulu, Dragon Age, c'est un peu le Mass Effect en mode RPG.
Mass Effect, qui est un jeu, un space opéra qui est incroyable aussi. Voilà, c'est de la science-fiction, et Dragon Age, c'est le pendant heroic fantasy. Tu vois, si je dois prendre un raccourci très grossier, c'est ça, quoi, en gros. Des conséquences qui perdurent, c'est exactement ça. Ça me fait penser à Anubis, cette gardienne. Oh, Anubis, magnifique Anubis. J'adore la mythologie, en plus, tu sais, égyptienne, grecque, nordique, je suis fan. Comme le livre dont vous êtes le héros il y a des années quand j'étais gosse. J'adore ce genre de livre. J'ai un collègue streamer qui s'appelle Quan by Krida, qui eh bien, fait des streams parfois le livre dont vous êtes les héros. Et je trouve que l'idée est géniale, quoi. C'est super intéressant de pouvoir faire ce genre de choses aussi. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a aussi des livres. Il n'y a pas uniquement que des jeux vidéo qui se prêtent à ça. Mais du coup, je trouve ça juste super cool. T'en faisais, toi, de ce genre de livre? Je trouve ça vachement intéressant, du coup, que toi aussi, t'étais là-dedans. Ah oui, c'est génial, faudra que je découvre. Ah oui, non, mais c'était top. C'est vraiment top. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de livre. Je sais qu'il en existe un sur l'univers de Buffy contre les vampires. Tu sais que je suis archi fan de cette série. C'est pour moi ma série culte. Et du coup, quand j'ai su qu'il y avait un livre dont vous êtes le héros en mode Buffy, j'étais en mode, ok, il faut absolument que je me le procure. Mais je ne l'ai pas trouvé. Donc il faut que je fasse ma recherche, je pense. J'en ai fait en cachette quand j'étais gamin, donc il y a plus de 35 ans. Ah là 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 là. Mais ça, c'est les meilleurs souvenirs. Et je pense qu'on a tous fait des petits trucs en cachette comme ça. Moi, je faisais du jeu de rôle papier quand j'avais 11-12 ans. J'allais chez mon voisin et on passait mais des heures et des heures, genre 6-7 heures à jouer à des jeux de rôle papier. C'était trop trop bien. Tu sais, je me souviens encore de l'odeur des feuilles, du crayon à papier, des dés trop jolis. Je suis archi fan des dés de jeux de rôle. Ils sont juste trop beaux. Et c'est vrai que c'était une époque refuge, tu vois, où on s'autorisait plus de liberté en matière d'imaginaire. On pouvait se transformer et être une créature, chose qu'on fait peut-être un peu moins en tant qu'adulte. Après, ça dépend des êtres humains. Mais c'est vrai qu'on a un imaginaire tellement puissant quand on est enfant et ado, je trouve. Tu sais, Cyrus, qui ne permettait rien de culturel, donc voilà, je, Cindy, devait faire beaucoup en cachette. Alors, attends. Ah, ok. Ok, ah, super intéressant, Lulu. Bah, tu m'apprends quelque chose. Ok, ce qui est cool, c'est que j'apprends à vous découvrir aussi. Donc, c'est super chouette. Et je trouve ça génial que tu puisses t'offrir cette liberté-là, d'être toi, d'être ce que tu as envie d'être. Et tu sais, une vie, et ce n'est que mon opinion, est tellement courte que c'est tellement dommage de ne pas s'autoriser à se donner des ailes et d'aller vers ce qui nous appelle et ce qui est nous, de ne pas rester forcément figé dans une vie qui nous fait pas forcément du bien. Et je pense que quand on se libère de ces chaînes, quand on apprend à le faire, et c'est un processus qui est très long, c'est quelque chose qui est, je pense et j'imagine, comme un second souffle. Et ça, c'est super intéressant. Bah, je t'en prie, merci à toi, avec grand grand plaisir. Attends, écoute, c'est moi qui te remercie d'être là et d'échanger avec moi, ça me fait beaucoup de bien. D'ailleurs, le jeu est bientôt prêt, donc on va pouvoir enfin le découvrir ensemble. Je suis trop trop content. Enfin, le découvrir. On va continuer l'aventure surtout, parce qu'on l'a bien commencé déjà. Je crois que j'ai à peu près 13 heures sur le jeu là. Donc on va pouvoir continuer ensemble. A tout de suite les bouts. Bienvenue à toutes et à tous sur Noctin Game. Je suis Noctis et nous allons poursuivre notre aventure ensemble sur Dragon Age de Veilgard, jeu que j'aime tellement tellement fort. C'est juste incroyable ce qu'on est en train de vivre ensemble depuis la sortie de ce jeu et je vous remercie d'être à mes côtés pour continuer à vivre cette expérience avec moi. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, donc merci d'être là. En tous les cas, j'espère que vous passez un bon dimanche, installez-vous confortablement. On va poursuivre notre aventure, donc nous incarnons ce personnage que vous voyez ici, qui est surnommé Rook. Et Rook, eh bien, c'est bien simple. C'est un personnage qui est investi d'une mission, celle de lutter contre les divinités, les dieux, qui lui ont fait du tort, qui font du tort à tout Edas. Donc on va pouvoir découvrir ça ensemble dans quelques secondes. Alors, c'est parti.
Donc là, on doit retourner dans les docks via la croisée des chemins. Ok. Mais regardez-moi la beauté de ce jeu. Est-ce que vous avez vu ça? Là, nous sommes au cœur de l'immatériel. Et voici mon personnage. Bon, je vous l'avoue, ça peut paraître narcissique. Je suis archi fan de la Rook qu'on a créée ensemble. J'ai un ami qui m'a dit qu'elle avait des airs de Xena et de Monica Bellucci. Donc je prends ça plutôt bien. Allez, on continue. Je vais vérifier si j'ai pas des persos avec qui parler. On va ouvrir tout de suite la map. Alors, comment je peux ouvrir la map ici? Elle ne veut pas s'ouvrir. Allons-y. Donc là, la mission qu'on doit faire... Au milieu des brumes de l'immatériel, un chemin est apparu. Ok, on va voyager jusqu'à la quête suivie. Donc là, on doit retourner sur les docks, qui est le royaume de Neve, l'une de nos compagnons. Et on doit essayer de résoudre une problématique assez importante sur les docks. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a moins de monde que je pensais. Trouvons Ashur. Ashur? La vipère. Il préfère qu'on l'appelle Ashur en privé. Il m'a autorisé à te le dire. Ok. Eh bien, on va essayer de trouver Ashur, alors. Je trouve que mon jeu lag énormément, ce qui n'était pas le cas les autres fois. Et le problème, c'est que je ne peux même plus ouvrir certaines touches. Je trouve ça très curieux. Genre, je peux pas ouvrir la map. Ça me paraît très étrange. Vous savez quoi, je pense que je vais redémarrer mon jeu, je suis navré, c'est des choses qui arrivent. Parce que là, je pense qu'il y a un gros problème. Je vous retrouve tout de suite, les hiboux. We'll be right back.
Et Relibus et Noctis, ça y est, je suis de retour. Merci pour votre patience. J'ai dû régler quelques petits soucis techniques. Décidément, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a pas mal de problèmes techniques. Ce sont des choses qui arrivent. On va pouvoir, eh bien, enfin continuer notre aventure. Donc, en gros, j'ai compris, ce qui ne fonctionnait pas. C'est qu'en fait, avec la compilation de shaders, le jeu s'est mis automatiquement en ultra. Et c'est pour ça qu'il y avait énormément de lag lorsque j'avais repris ma partie. Donc là, du coup, j'ai pu repasser à quelque chose de plus simple. C'est mieux. La vipère, il préfère qu'on l'appelle Assure en privé. Il m'a autorisé à te le dire. Eh bah super. Allez, on va pouvoir continuer. Et relulu. C'est parti, j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. On va pouvoir parler à la vipère. Ouh, la vipère, dis donc. Où est-elle? Ah bah elle est là. Plus encore. J'ai entendu dire que c'était... Il y a un problème dans l'Anvalenim. Des engeances. Mais ces tunnels sont des passages sécurisés pour... Oui, je sais. On a dû condamner cette entrée. On peut vous aider. On a eu affaire à de l'enclin récemment. Ces engeances doivent être détruites avant qu'elles ne s'échappent dans la ville. Si vous réussissez à passer, signalez que la voie est libre à la porte dissimulée. Ok... C'est ça. Sauron, il va sortir, il va être en mode, mais genre, qu'est-ce que vous faites, les vilains? Oh, stylé. C'est troublant. Des engeances en ville. Et dans l'un des pires endroits. Ouais. Les dragons utilisent ces tunnels pour sauver des gens. Mais pourquoi ça s'appelle comme ça? Anvalenim, ça veut dire matrice en ancien elfique. Tiens, intéressant. À mon avis, ce n'est pas pour rien. Alors... Bienvenue à la boutique. Je m'appelle Lorelai. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-moi. Salut Lorelai. Merci beaucoup pour ton accueil. Alors, qu'est-ce que tu as à nous proposer de sympathique? Ok, armure, très bien. Tu as vu comment elle est belle, la DA? J'ai hâte de te montrer les autres. Hein. Les autres trucs, tu vas adorer. Il y a une ville qui s'appelle Treviso, qui est vraiment inspirée de l'Italie. C'est sublime. Cuir de dextérité. Bah écoutez, achetons. Parfait. Allez. Faites on continue. Merci beaucoup. Prenez soin de vous également. Non mais dis donc. Voilà, regarde. Là, on est vraiment dans une zone assez sombre, pluvieuse. Tu sens que les gens sont désabusés. L'Anvalenim devra avoir une entrée par ici. Le passage est caché par une sculpture murale. Entendu. Oh, oui. Est-ce qu'ils sont si proches de la boutique ? Allez, rentrez chez vos mamans. C'est la sculpture murale dont tu parlais ? Oui, c'est ça. Il y a un interrupteur derrière la tête du serpent, à gauche. C'est un serpent, ça ? On dirait... vous savez, les... comment on appelle ça ? Les... Ah ! Les facehuggers, là, je crois que c'est ça, dans Alien. Compris. On y va. Retour à l'expéditeur. C'est tellement ça. Allez, on continue. Oh, il y a une explosion. Impossible de passer par ici. Il faut qu'on se débarrasse de cet obstacle. Ok. Ah bah ici. On a un petit coffre là. Cool. C'est bon, on peut passer maintenant. Ok, c'est parti. Par le créateur, je déteste les tunnels. Tuons ces rats de dragons de l'ombre, que je puisse quitter cet endroit. Les ennuis arrivent. T'inquiète pas, on est là. Oh, les engeances, je remonte. Bon, alors descend. Il faut pas les laisser atteindre le repère des dragons de l'ombre. Ok. Encore des Venatori. On se concentre sur leur capitaine. C'est des joueurs imbéciles.
finir le travail. Ok. Ah, tu n'as pas vu Alien, ok. Les combats sont tellement stylés. Ils sont nombreux. Un avec un bouclier, lui va faire mal. Je vais utiliser tout de suite mes pouvoirs de feu. Allez, pouvoir ultime. Ces engences et les Venatori étaient dans le même camp. Je sais, et ça m'inquiète. C'était stylé ça, hein, vous avez vu? Les dragons devraient pouvoir à nouveau utiliser cette entrée sans danger. Trouvons-la pour leur dire de l'ouvrir. Ça crème bien, exactement. Hein, là, on est sur une cuisson plutôt à point, je dirais. Ou même bien cuite, plutôt. On va passer par là. La voilà, l'entrée cachée qui mène à la boutique. Ok. Je vais juste détruire tout ça pour voir si il n'y a pas des objets dedans, ce serait cool. Ok, pas de loot. C'est Rook, la voie est libre ici. Bien joué, je vais ouvrir la porte. Merci. Contente de voir que vous êtes toujours debout. Je vais prévenir Ashur. Merci Marisa. Oh, cette musique, mon dieu. Comment les Venatori ont pu trouver le repère des dragons de l'ombre? C'est pas un secret? On aide les gens des docks, ils savent où on est. Quelqu'un a pu parler de la boutique. Les gens qui tiennent pas leur langue, c'est facile à gérer. Mais les engences, c'est pas pareil. C'est pas la même chose, effectivement. On est bien d'accord. Ok, on a rien à ramasser ici. Rien là. Ok, continuons alors. Oh, petit chien, qu'est-ce qu'il est mignon. Trop pipou. On vous en doit une, Rook. Ces engences allaient nous tuer. C'était pas juste des engences. Il y avait aussi des Venatori, et ils se battaient pas entre eux. Comment c'est possible? Les engences s'attaquent à tout ce qui est vivant. Les engences sont viciées. Si les dieux contrôlent l'enclin, il est possible qu'ils contrôlent les engences. C'est très inquiétant. Ouais, ça fait froid dans le dos. Les Venatori pourraient être protégés par magie. Ou pire, ils pourraient s'être alliés. Si vous cherchez des réponses à propos des Venatori, j'ai peut-être une piste. Un entrepôt, de l'autre côté de la ville. Ça grouille d'activité du culte. Ah, et plusieurs cultistes se dirigeaient vers la boutique. Ça peut être une coïncidence ou quelque chose de plus grave. Ça vaut le coup d'aller voir. Je suis d'accord. Rook, on y va. T'as vu ça? Elle a pris tout son temps, hein. Toi aussi, Kalium, tu as peur? Je suis explosé de rire. Ah là là, vous me faites du bien. Allez, on continue l'enquête. La vipère ou Ashur, c'est le chef des dragons de l'ombre? Il n'est pas tout seul. Il s'est fait un nom en libérant des esclaves et en soutenant leur rébellion. Il s'arrêtera pas tant qu'il restera des esclaves à Tevinter. On va aller par là. Donc le vrai nom de la vipère, c'est Ashur? C'est l'un de ses noms. Il se fait appeler la vipère pour les premières impressions. Ok. Comment ça?
Hachure, ça a pas autant d'impact, tu trouves pas? Une hachure. Si, c'est... ça peut être impactant. Hein. Allez, let's go. De toute façon, j'ai envie de te dire, Lulu, à partir du moment où tu es là et que je suis là, on n'est pas seul de base. Allez, let's go. Donc on découvre en même temps que Rook, hein, notre perso principal, ce qui est en train de se passer sur les docks. Des Venatori. Ok. On se rapproche forcément de leur repère. Wow, ça c'est du sort. Oh, oh, il m'a foutu une balayette en plein dans la gueule. Ça fait plaisir. Tiens, crame. Et il y en a plein d'ailleurs. Je pense aussi. On va détruire ça. Ça fait un bouclier en moins. Et toi, je me charge de toi, le mage. Ok, un mage en moins. Toi, je me charge de toi aussi. Et brûle. Oh, c'était beau ça. Ouf. Oh, la balayette. Ah, il m'a foutu un coup de pied. Je vais devoir me faire une rhinoplastie du coup. Oui, on est passé niveau 13. Je n'emménagerai pas dans cette ville. Elle est charmante cette ville. Hein? On peut faire un peu de sport quand on sort de chez soi, on se bastonne, écoute, hein? Il y a une petite ambiance street qu'on apprécie fortement. Il n'y a pas de garde police comme dans Morrowind Oblivion, tu te balades en ville et tu te fais attaquer. Et oui, parce qu'en fait, il faut savoir que la ville a été envahie par les Venatori. Donc, eh bien, les gardes ont été supprimés, malheureusement. A tout à l'heure, Lily. C'est verrouillé. Il doit bien y avoir un autre passage. Ok, faut qu'on trouve un autre passage. Je pense qu'on va pouvoir passer par là. Ok. On a pu démolir la barrière. Attention devant. Oh, il est costaud lui, hein. Tiens. Ok, on n'en parle plus. Pourquoi il y a une échelle par ici? Il y a beaucoup de Venatori. On doit être tout prêt. Oui, mais attends, t'es trop pressé, faut qu'on les élimine avant, cocotte. Cocotte minute. On en a fini avec les gardes Venatori. Tu as répondu trop vite, c'est en trop sonnerie, bah dis donc. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien pour toi. Ok, on continue. On dirait que quelqu'un fait de la magie, mais pas de la bonne magie. Ouh. Les incantations, c'est jamais bon. Je suis d'accord avec toi, Bellara. Et c'est pour ça que je vais augmenter mes compétences tout de suite. On va améliorer nos capacités de mage. Et on va pouvoir développer la lame spirituelle. Votre attaque lourde peut désormais être utilisée à la fin d'une chaîne d'attaque légère pour invoquer une lame et la projeter à une courte distance. Oh, c'est génial ça. Donc il faut que je fasse XXXY. Ok, c'est noté. Allez. C'est parti, on a la lame spirituelle. J'ai trop hâte de pouvoir l'utiliser. À mon avis, ça va être bien fun.
Je comprends pourquoi j'ai un bug de son comme ça sur le jeu. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais il y a des sons que je n'ai pas, ou que je n'ai pas intégralement. Et pourtant, j'ai une bonne carte graphique, donc... Ok. Là, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on descende. Ça va, le jeu ne lag pas trop pour vous ? Comment ? Commençons par les arrêter, on verra ensuite. Ils utilisent la magie pour couper. Oh la vache ! Il faut arrêter ça. En effet. Pas dans ma ville. À distance. Foudroyez-les encore. Wow. Oh, ça fait mal ce que je viens de faire là, je crois. Oh. On a fini avec les engences et les Venatori. On fouille cet endroit et on découvre ce qu'ils faisaient. Ok. Oh, armure légère ordinaire. Ok, cool. Chevalier Capitaine Lennos, nous sommes bénis de pouvoir compter sur un ami aussi loyal que vous. Continuez à nous servir et vous serez largement récompensé pour la gloire et la renaissance de Tevinter. Ok. C'est une alliance entre les Templiers. Lennos des Templiers de Minerati est soudoyé par les Venatori. Eh merde. Ok, couvre-chef. Eh ben, let's go, on va s'équiper celui-ci. Je crois qu'on a tout inspecté, mais je vais faire un dernier tour. Ah, il y a une note ici. Instruction pour le rituel. Elgarnan nous a bénis d'un savoir ancien. La relique nous permet de contrôler les engeances par leur sang vicié. Utilisez-la pour détruire nos ennemis en son nom. Ci-dessous, les instructions d'un rituel magique pour utiliser le pouvoir de la relique. Les dieux ont donné une relique aux Venatori qu'ils utilisent pour contrôler les engeances. Regardez ce truc. Ça mène dans les tunnels sous la ville, non? Encore un moyen pour les Venatori de diffuser l'enclin dans nos tunnels. J'en parlerai aux autres dragons. Ok. Il nous reste encore des indices... Enfin, des preuves à récolter. Donc là, si j'ai bien compris, l'hibou, on a les Venatori, qui sont, entre guillemets, un groupuscule de mages malveillants, qui se sont alliés aux Templiers et aux dieux elfiques pour pouvoir contrôler les démons. Qu'on appelle les engeances dans l'univers de Dragon Age. Donc, ça pue. Vraiment. Est-ce qu'il nous reste encore des choses à trouver ici? Ok. Il y a peut-être un indice qu'on n'a pas vu quelque part. Et hey, coucou ma paillette! Oh là là ma paillette, ça fait tellement du bien de te voir. Comment ça va ma paillette d'amour? Est-ce que je vais pouvoir prendre une échelle ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que j'ai loupé ici? J'arrive pas à voir. Là, je peux peut-être monter. Je vais essayer de monter. On va passer par là. Et on va aller par là. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'aurais pas vu? Non, bon, apparemment, je suis déjà passé par là. Ça va bien, merci, c'est le grand rush avant la reprise. Et toi? Ça va, ma paillette? Ça va, ça va. Je t'avouerai que aujourd'hui, c'est un petit peu... plein d'émotions qui se mélangent. En plus, j'ai eu pas mal de soucis techniques sur le jeu. Donc, bon, c'est rien de grave en soi. Mais c'est vrai que ça met pas forcément dans un bon mood. Et c'est rare quand je suis pas dans un bon mood. Hein, tu me connais. Enfin, tu commences à me connaître maintenant.
Et demain, j'accompagne ma mère à l'hôpital. Voilà, donc je suis un petit peu... Mais ça va aller, ça va. Je garde toujours le moral. Ok. Donc, on va aller par là. Et demain, tu reprends... Oh là 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 là, bah ouais, le grand rush avant la reprise. Hein. C'est la rentrée demain, hein. Des classes, il me semble. Hein. Bon, je vais faire un dernier tour. Et on va voir ce qui va se passer. Parce que là, j'ai trouvé cette preuve-là. On ne peut pas rentrer, donc non. Il doit bien en avoir une quelque part. Je pense. Merci, ma paillette. T'es un amour. Ça réchauffe le cœur. Merci à toi, c'est très gentil. Donc là, tu vois, je suis dans une zone où je dois trouver... Fouiller le rez-de-chaussée pour trouver des preuves. Jusqu'au 20 décembre. Ah ouais, là, ça va être un rythme assez soutenu, hein. Je peux pas ouvrir la porte qui est là. Donc, est-ce que je dois trouver quelque chose là, peut-être ? Non. Parce que là, je tourne en rond depuis un petit moment. Je ne comprends pas. Là, je quitte la zone de recherche. Après, faut peut-être que je... Bah non, c'est le rez-de-chaussée que je dois explorer. Donc, si je prends de la hauteur, est-ce qu'il y a un truc que j'ai loupé ou pas? Ah, là! On a bien fait de prendre de la hauteur. Ok. Les dragons de l'ombre nous observent. Ne les laissez pas s'approcher. L'emplacement précis de leur repère est inconnu, mais ils utilisent les catacombes. Envoyez des engeances pour les éradiquer. Ça explique les engeances qu'on trouve sans arrêt dans les catacombes. Au moins, ils ignorent où se trouvent les dragons de l'ombre. Alors, enquêtez sur l'activité vénatorie à l'entrepôt. Oh là ! Tout va bien ? Les gens arrivent. Brooke, je oui. Savoir si vous aviez besoin d'aide. Je suis là, Ashur. Qu'est-ce qu'il est classe, cet Ashur ? J'aime bien. J'aime bien son accoutrement. Vous avez trouvé quelque chose ici ? Les dieux affranchis ont appris aux vénatorie à contrôler les engences. Ça explique pourquoi le repère a été attaqué. On a trouvé des documents du chevalier capitaine. Je savais bien qu'il était pas net. Mais pas que c'était un vénatorie. On retourne à la boutique. On fera le point là-bas. Eh ben c'est parti, retournons à la boutique. Alors donc, pour t'expliquer, Payette, on vient de découvrir que les vénatorie, les mages malveillants, se sont alliés aux Templiers, qui sont les ennemis des mages, du moins pour la grande majorité, et les dieux elfiques, tu sais, qui se sont échappés en début de jeu. Eh bien, se sont alliés à ces deux groupes, les vénatorie et les Templiers, pour pouvoir leur donner la capacité de contrôler les démons, les engeances. Donc là, on a appris quand même quelque chose d'assez important. On a réussi à attraper des retardataires qui fuyaient l'entrepôt. Ils réfléchiront à deux fois avant de revenir ici. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre ? Les Venatori servaient le Garnan et Gil'Anan comme on le pensait. Ils ont donné au culte le pouvoir de contrôler les engeances. Génial. On dirait que les Venatori vont être encore plus pénibles. Ah, il est blasé. Est-ce que je peux me rendre utile ? Les dieux affranchis sont aussi ma responsabilité. Comment savoir si on peut te faire confiance ? Tu n'es pas d'ici. Tu ne connais pas Minrati aussi bien que nous. Et nous en savons aussi peu sur toi que sur les dieux affranchis que tu as libérés. Allons, allons, quel est le proverbe déjà ? L'ennemi de mon ennemi est mon ami ? Oh, elle est stylée, elle ! Le culte est très ancré dans la ville. Des soutiens Venatori siègent au Magisterium et désormais, ils exercent un pouvoir qui leur a été donné par des dieux. J'adore sa robe, ça serait pas une première enchanteresse ? Si nous voulons survivre à ça. Mae, qu'est-ce que tu fais là ? T'avais promis de rester caché. J'ai essayé, mais ça m'a pas trop plu. Bonjour, je m'appelle Rook. Ravi de vous rencontrer, je m'appelle Rook. Il y a des problèmes à Minrati. Des Venatori et des dieux affranchis. Rook nous aide sur ce dossier. Mae Varys est l'une des chefs des Dragons de l'Ombre. Mae Varys Tilani, précédemment Magister Mae Varys Tilani. Je à savais, votre service. C'est une mage. Attendez, précédemment ? Mes ennemis ont conspiré pour me faire retirer mon siège de Magister. On en reparlera plus tard, si vous voulez. Mes problèmes semblent bien ridicules face à des dieux affranchis.
Les dragons de l'ombre ont beaucoup de choses à se dire, mais vous, Rook, vous devez vous rendre au signe. Ok. Moi ? Au signe Lardé ? Pourquoi ? Le haut commandeur veut vous parler. Le haut commandeur ? J'espère qu'on va recevoir un peu d'aide pour l'enclin. Revenez quand vous pouvez. Je pense que nous aurons besoin de votre aide. Eh ben c'est parti, ok. Est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Je me pose la question. Oh là, ils peuvent pas le mettre encore en plus petit le succès. Quête accomplie ! Yes, on l'a fait, l'hibou ! Les ombres de Minrati ! Les Venatori servent les dieux affranchis. En retour, ceux-ci ont octroyé aux cultistes une magie leur permettant de contrôler les engeances. L'influence et la puissance du culte se répandent, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour Minrati, ni pour le reste de Tedas. J'imagine que ça va finir par se savoir. Ça va énerver tes ennemis. Et alors ? Nouveau niveau d'exploration déverrouillé, les docks. Un nouveau niveau d'exploration est disponible. Retournez dans ce lieu avec la carte du monde ou l'éluviane de la croisée des chemins, puis explorez-le et terminez les quêtes supplémentaires. Ok, donc là on doit retrouver le haut commandeur au signe Lardé. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils m'ont déjà, on est niveau 14 déjà. Et on sait qu'ils sont trop lâches pour essayer autre chose. Ok, hibou. Donc là du coup on va devoir passer par ici. On va tout de suite... Waouh. Trop bizarre ce qui vient de se passer. Donc là... Ah, je peux pas encore débloquer cette spécialité parce qu'il faut que je sois niveau 20. Je suis que niveau 14. Donc qu'est-ce que je peux prendre d'autre ? Dégâts contre armure pour le plus 1%. Ah, ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est ? Résistance physique plus 10%, d'accord. Est-ce que j'aurais pas un nouveau sort à débloquer par hasard ? Ce serait cool. Ce sort-là, d'ailleurs... C'est en arrière, oui, dans le PDRG. Ok. Comment je lance ce truc ? Détail. Ok. Est-ce que j'ai un sort à lancer que je n'ai pas encore débloqué ? Ça, c'est quoi ? Nova de givre. Ouh, intéressant, ça, ça me plaît. Mais on a quoi avant ? Charger en continu. Okay, on va prendre ça. Et ensuite, on ira débloquer... Nova de givre. Let's go. Niveau personnage. On a une nouvelle armure apparemment. Parfait. Ah, et là je peux mettre quelque chose d'autre. Sympathique. Ça nous fait deux anneaux. On valide. Allez, on y va. Poursuivons. On nous conseille de faire attention aux engeances. Là, on doit retrouver le haut commandeur. Comment ça se fait que mon jeu lag comme ça, mon dieu? J'ai rencontré un dragon de l'ombre une fois. Ah oui? Enfin, je crois. Cette personne a préféré ne pas dire qu'elle était drague. Oh, désolé de te couper, mais on se fait attaquer. Est-ce que j'ai des pouvoirs? Je n'ai que 3 pouvoirs de disponibles, d'accord. J'aimerais bien pouvoir les changer. Ça serait cool. Merci. Ok, on continue les filles. C'est quoi cette enseigne lumineuse ? J'ai rencontré un dragon de l'ombre une fois. Enfin, je crois. Cette personne a préféré ne pas dire qu'elle était dragon de l'ombre. Mais j'étais assez sûre de moi. Pourquoi ça ? La plupart des Tevintid nous prennent de haut, même les sympas, mais pas elle. Et tu me fais penser à elle, donc ça se tient. Je prends ça comme un compliment. Oh là là, salut David! Je sais que c'est toi David, comment vas-tu? Comment se passe ton dimanche?
super cette région. Les docks. Je serais assez curieux de jouer à mon jeu quand je suis pas en live pour voir si ça lag toujours. Ah bah oui, s'il pète, c'est qu'il va bien. Hein? C'est que tout fonctionne au niveau du transit. Allez, on continue notre aventure. Tiens, d'ailleurs, ma pète, je suis en train de préparer une vidéo sur Silent Hill 2. J'ai tellement hâte de la réaliser. Je suis Joeyn Glastrum, haut commandeur et commandant en chef de Weisshaupt. Oh, Weisshaupt. J'ai appris que votre équipe avait demandé de l'aide à la garde des ombres après une incursion de l'enclin à la croisée de Demeta. Vous êtes membre de la Sentinelle Funeste. Comment vous êtes-vous retrouvé à combattre l'enclin à Arlathan ? Il est bien curieux, lui, avec sa moustache. Quelle sentinelle, d'ailleurs ? Une figure controversée, après ce que vous avez fait pendant cette rébellion de morts-vivants. En quoi est-ce pertinent ? Mes décisions concernant nos nobles défunts n'ont aucune importance ici. Très bien. Alors j'aimerais comprendre comment on libère la corruption de l'enclin en pratiquant la nécromancie Nevarran. On pistait un mage, Solas. Il a plusieurs milliers d'années. Dans la mythologie elfique, on l'appelle Fenarel, loup implacable, ou encore dieu du mensonge. Ça fait beaucoup de noms. Alors, Fenarel veut dire loup implacable en elfique, donc ces deux noms n'en font qu'un. Mais vous avez raison, ça fait quand même beaucoup. Bref, il voulait déchirer le voile et rétablir l'ancien empire elfique. Moi aussi j'ai hâte, Spaghetti. On a interrompu son rituel. Je ne suis pas venu écouter des contes de fées. Je suis ici à cause de la corruption de l'enclin. C'est pas un conte de fées. Quand on a arrêté Solas, quelque chose s'est échappé. D'après les mandataires du voile, c'était les dieux elfiques Elgarnan et Gilanan. Oh là 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 là. Et ils ne sont pas que maléfiques, ils sont viciés. Le problème, c'est que les dieux aggravent l'enclin. La croisée de Demeta, c'était qu'un début. C'est pour ça qu'on a besoin de la garde des ombres. Je pensais qu'il s'agissait de nouvelles manœuvres politiques de l'Inquisition. Je vois que je me trompe. C'est vrai que ça fait beaucoup. Il est évident que quoi que vous ayez fait pour libérer l'enclin, il a gangréné votre esprit déjà troublé. Attendez. Vous serez escorté à Weisshaupt et placé sous haute surveillance. What? Jusqu'à ce que la corruption de l'enclin que vous avez libéré soit maîtrisée. Non mais il est sérieux lui. Je ne vais pas me laisser faire. Comptez pas trop là-dessus. C'est pourtant bien ce qui va se passer. C'est pas le moment de se battre. J'ai besoin que les gardes des ombres soient avec moi, pas contre moi. C'est notre seule chance d'arrêter les dieux et la corruption de l'enclin. Je vais vous dire quelque chose sur la corruption de l'enclin. Elle est maléfique, implacable, mais surtout prévisible. Elle n'a pas changé depuis 1000 ans. Et les gardes des ombres la vaincront comme ils l'ont toujours fait. Et nous le ferons sans que vous veniez semer le chaos avec vos théories c'est du complot. C'est pas la même chose cette Je fois. Je vous déconseille de résister. Forteresse inébranlable. 941. Oh les gardes des ombres ont tenté de lever une armée de démons. Attendez, c'est Dorian, mon Dorian ? Vous n'êtes pas vraiment un modèle de discernement, si ? Mais j'hallucine ! On sait que le commandeur garde Clarel a agi seul à la forteresse inébranlable. A agi seul ? Imaginez que tout le monde lise la lettre que j'ai découverte dans laquelle vous donnez votre accord pour qu'elle agisse. Je me demande à quel point ça pourrait compliquer l'histoire. Oh putain, mais c'est lui ! Vous êtes prêt à risquer la sécurité de la garde des ombres pour ça ? Vous pourriez être surpris d'apprendre que je me soucie bien peu de la sécurité de la garde des ombres. Choqué. Tenez-vous loin de la corruption de l'enclin. Et n'importunez plus les gardes des ombres avec vos fadaises. Fadaise toi-même. Non mais attendez, là c'est Dorian, notre ancien compagnon. Il semble contrarié. Est-ce à cause de ce que j'ai dit ? Merci pour votre aide. C'était moi une. J'avais pas trop envie qu'on me traîne dans un donjon de la garde des ombres. Qui puis-je remercier pour son aide ? Magister Dorian Pavus, pour vous servir. Une amie commune a suggéré que vous pourriez avoir besoin d'aide. L'inquisitrice. Maevaris Tilani, des dragons de l'ombre ? Elle-même. Waouh, alors là, vous êtes avec les dragons ?
Quelle est votre relation avec les Dragons de l'Ombre ? Il y a une dizaine d'années, Maevaris et moi avons initié une faction politique appelée les Lucernies. Nous allions apporter des changements bénéfiques à Tevinter. Tout le monde aurait reconnu le bien fondé de notre approche et nous aurions vécu dans la félicité éternelle. Et ça n'a pas été le cas, j'imagine. Maevaris a été victime d'un coup monté, évincée du Magisterium et les Lucernies ont été dissous. Elle a fait passer le mouvement dans la clandestinité. Les Dragons de l'Ombre. Puisque je continue à hanter le Magisterium, cela fait de moi l'homme des Dragons de l'Ombre au sein de l'institution. Je crois qu'on s'est fait un ennemi du Haut Commandeur aujourd'hui. Enfin, vous plus que moi. Il pense juste que je suis une dangereuse idiote. Un ennemi. J'ai ignoré des hommes plus haut placés. Aucun garde des ombres digne de ce nom ne se prélasse dans un salon de Minrati à siroter du vin. Je suis d'accord, Dorian. Vous avez besoin de la garde ? Cherchez dans ses rangs les membres qui combattent l'enclin. Pendant ce temps, les Dragons de l'Ombre surveilleront les Venatori de près. Bonne chance. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. Alors, les bouilles, il faut savoir que ce personnage, je le surkiffe. Il a vie de 10 ans, mais il est incroyable. Incroyable ! C'était un des anciens compagnons. Seul le voile nous protégeait d'un monde plongé dans les ténèbres de l'enclin. Mais les dieux n'avaient pu en faire couler qu'un simple filet. Ils devaient ouvrir les vannes pour que ça coule à flot. Ils auraient pu se servir de la dague de Solas pour déchirer le voile. Mais une mortelle insouciante l'avait récupéré. C'est nous! Alors, ils allaient devoir créer leur propre dague. Oh merde. Ce n'était qu'une question de temps avant que le monde finisse noyé sous l'enclin. Aïe aïe aïe. Eh bien, je pense qu'il va falloir vite trouver une solution, parce que sinon on va se retrouver un petit peu dans la merde, hein, en parlant français. Donc, ouais, on va y aller. Super, on doit s'allier à des gardes des ombres. Ok. Retourner au phare. Eh ben, let's go. On va retourner au phare tout de suite. C'est vraiment passionnant ce qui est en train de se passer. Je trouve vraiment 41. Et j'ai 77. Donc, je vais garder celle que j'ai équipée. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai d'intéressant également ? On va aller au niveau de la carte. Tac. Et on va retourner au phare parler à Varric. Let's go. Mais avant de parler à Varric, on va voir si on peut développer notre relation, notre romance avec notre coup de cœur, Lucanis, qui est notre chéri. Mais il ne le sait pas encore. Mais il va pas tarder à le savoir. Genre, c'est mon crush. Alors, attendez. Mon petit Lulu, il est où mon petit Lulu? Je crois qu'il est tout droit. On va aller lui parler. Poussez-vous, bande de gueux. Oui, je parle au mur. Par là. La sauce, c'est juste du fromage? Oui, et l'eau des pâtes. Mais il faut du bon fromage. Ça devrait pas marcher. Miam, miam, miam. La sauce devrait se désagréger. La cuisine anti-vanne est parfois plus compliquée que la magie. Coucou! Je trouve que vous traînez beaucoup tous les deux ensemble, hein! Bellara, t'es ma BFF, hein! Tu vas pas te taper mon crush, s'il te plaît, hein! Je te fais confiance! On n'est pas dans une télé-réalité ici, ok? Merci beaucoup! Et toi, Lucanis? Tu me regardes même pas? Oh là là, alors que je t'aime tant! Cet amour est un sens unique! Ok, ok. Je ne l'accepte pas. Alors, ici, nous allons parler à Neve. C'était avec mes affaires. J'ai reconnu ton écriture. Allez, rapide, Bellara, donc. Juste quelques mots. J'ai cru que c'était à moi, je sais pas ce que ça faisait là. Ce sont ces feux follets. Je dois jeter plus de sorts de protection. Ah, oh, je peux t'aider. C'était mon idée. Je vais m'en charger. Eh, hey, ils sont adorables, ces feux follets, moi, je trouve. Je sais pas, je les trouve adorables. Vraiment adorables. Ce sont pas tes notes qu'ils ont volées. Oh. Peut-être qu'il t'aime bien. Elle en a ras le bol, la pauvre.
Oh. Tu es adepte de la chanterie ? Le pendentif, j'ai vu qu'il était en Drastien. Je me souviens à peine des fêtes. C'était pour une mission. La chanterie, c'est la religion, en fait. Et je l'ai peut-être suivi dans un journal de Tevinter. On parle pas trop de moi dans la presse. Mais quand c'est le cas, c'est généralement pour une affaire passionnante. C'était quoi déjà cette histoire avec le démon, le diamant et cet escroc de magistère ? Ton nom est cité deux fois. C'était un article à scandale. J'adore leur relation toutes les trois, c'est vraiment les trois BFF quoi. Une calomnie, c'est moche. C'est affreux. C'était un papier à charge contre le magistère. Je t'ai juste cité en passant. Quand même. J'ai rempli ma mission. Bien sûr, ça aurait pu mieux se passer. Mais le client m'a balancé au démon. Quoi ? Ouais, c'est quoi ? C'est bizarre. C'est dans l'article. C'est une blague, mon dieu. Dis-moi que tu lis le reste du journal. Oui. Parfois, ils publient des histoires, des sagas. C'est passionnant. Sauf que ça sort par épisode. Je lis que quelques journaux par an. Je connais jamais la fin des histoires. Ces journaux, ce sont ceux de Minrati, c'est ça ? J'imagine qu'ils regorgent de magie du sang, de meurtres, de larmes. C'est bien ça. Qui est la deuxième personne du roman qui semble la plus innocente ? Je parie que c'est le coupable. Pourquoi pas la plus innocente ? Je sais pas. En général, elle meurt. Quoi ? Allez, Belle, donne-moi le nom de cette saga. Je vais tenter de retrouver la fin. Mais tu pourras pas dire qu'on t'avait pas prévenu. J'ai envie de rentrer. De passer du temps dans les docks, de me tenir au courant des potins. Tu veux de la compagnie ? Pourquoi pas. On part quand tu veux. Oh, trop chou. Ça y est, elles sont devenues BFF, là. On forme un beau trio, c'est les drôles de dames. Bellara, Neve et Hirook. Ah, tiens, on va lui offrir son cadeau, d'ailleurs. Donner un cadeau. Cadeau pour toi. C'est tellement attentionné. Je ne te drague pas, hein, mon cœur est pris par Lucanis. Allez, on y va. Donc là, on doit parler à Varric, mais avant de parler à Varric, je vais faire un petit point beauté. En changeant mon apparence, car j'ai débloqué une nouvelle apparence. Là, j'avoue que mes cheveux qui éclipsent avec la tenue, c'est pas GG. C'est pas GG de par Dieu, encore heureux. Oh, je t'ai jamais monté ici, il me semble. Bah, on a bien fait, il y a un petit coffre. Hihi, trop bien. Lire. Pour entrer dans le passage de la bibliothèque, trois couples doivent être face à face. D'accord. Un. Deux. Ah ok, trois coupes doivent être face à face. Donc en gros, je dois tourner genre une statue ici et il y en a une autre ailleurs. Ok, je comprends le délire. Il y en a une là-bas. Il doit y en avoir deux autres. Deux autres ? Il y avait marqué trois, pas quatre ? Vous chiez un petit peu dans la colle, là. Bon, je ferai ça plus tard. Là, normalement, je suis dans mes quartiers. Très bien. Alors. Garde de Rorobe. Donc ça, c'est l'armure que je porte quand je suis en combat. Et là, je veux modifier l'armure quand je traîne. Est-ce que cette tenue... Oh, cette tenue est très sympathique. On va garder cette tenue. Elle est jolie comme tout. Nickel. Ah, on a une autre ici. Comment il appelle cette tenue ? Cure de rapidité. Et là, c'est quoi ? Oh, sympa celle-ci. Ouais, je suis peut-être un peu moins fan. Je vais plutôt mettre celle-là. Voilà. Et au moins, mes cheveux ne vont pas clipser non, logiquement. Ok. Ensuite, Bellara. Je vais lui remettre sa tenue de base qui est bien plus jolie que celle de l'édition de luxe.
En fait, j'ai acheté l'édition de luxe, mais je n'aime pas les armures de l'édition de luxe. Ce qui est bien con. Pareil, Edge préfère son armure de base. Ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Donc maintenant que c'est fait, on va parler à notre Vava, nos Ririki d'amour. J'espère qu'il s'est remis quand même notre petit Varric. Enfin, petit Varric, c'est un nain. Notre Varric, tout court. Hey, Varric. Comment ça va, beau gosse? Ah, te voilà. Je t'ai pas beaucoup vu ces derniers temps et je commençais à m'inquiéter. Tout va bien? Attends, cette dague, je l'ai déjà vue. Solas l'utilisait sur le site du rituel. Non, avant ça. Merde. C'est pas possible. Regarde-la, Rook. Waouh. Explique-toi. Tu te souviens de cette histoire que je t'ai racontée sur Oak, Meredith, Orsino et moi? Oui. Comment les ennuis ont commencé à Kirkwall? Le lyrium rouge. L'expédition dans les tréfonds. C'est ça qu'on a trouvé. C'est pour ce truc que mon frère a essayé de nous tuer. Une idole en lyrium rouge. Ah, j'en étais sûr. Le chant qui en émanait rendait folles toutes les personnes qui l'entendaient. T'es sûr que c'est le même objet? Regarde-la. Elle a changé, mais c'est la même taille. Le même anneau au sommet. Sans oublier l'essentiel. C'est du lyrium pur. Personne, même à Orzammar, ne travaille du lyrium aussi pur que celui-ci. C'est trop dangereux. Orzammar, c'est la cité des nains. Si l'idole de lyrium rouge de ton histoire et cette dague ne font qu'un, comment cela s'en a retiré l'enclin? Aucune idée. J'arrive pas à croire que tu l'aies retrouvé. Ah, salut Rook. J'interromps peut-être quelque chose? Tu as l'air d'aller mieux. T'as l'air plus à l'aise avec tes nouvelles aptitudes. Comment tu te sens? C'est bizarre, je suis en train de m'adapter. Enfin, j'ai l'impression. En tout cas, je suis pas venu parler de ça. Bon, Harding, à quoi tu penses? Je pensais aux gardes des ombres, j'en connais certains. Oh! Il y a un couple qu'on a rencontré, Varric et moi, quand on traquait Solas. Et j'avais presque oublié ces deux-là. C'est vraiment plus de mon âge, ces conneries. Tu crois qu'on pourrait leur parler? Après le haut commandeur, tout ça? Ça vaut le coup d'essayer. Je peux leur écrire et on verra. Ok, ça me va. D'accord. Voyant qui est de notre côté. Intéressant, on va rencontrer un garde des ombres. Des gardes des ombres. Ah, ça fait plaisir. Nouvelle quête. Alors, Donc, on a comme nouvelle quête, face à la menace que présentent les engeances et l'enclin, l'équipe doit chercher des gardes des ombres plus sensibles à sa cause. Ok, l'équipe a besoin d'alliés au sein de la garde des ombres. Heureusement, Harding a des contacts disposés à l'écouter. L'équipe doit se frayer un chemin à travers les falaises rocheuses des Zunderfels, ça va rappeler des souvenirs, afin de convaincre ses gardes que les dieux sont réels, mortellement dangereux, et qu'ils sont d'ores et déjà passés à l'action. Donc ça, c'est la quête principale. Mais cependant, j'ai aussi une quête secondaire où je dois retourner dans les docks pour Neve. Mais écoutez, on va faire la quête secondaire pour commencer. Voilà, on va développer nos relations avec Neve. J'ai juste envie de retourner à Treviso très rapidement. Voir si j'ai pas un cadeau pour Lucanis. D'ailleurs, je vais prendre Lucanis dans mon équipe. Et Bellara. Let's go. On va voir ça tout de suite. J'ai juste envie de retourner à Treviso et ça sera l'occasion de vous montrer pour à celles et ceux qui n'étaient pas présents précédemment cette magnifique cité de Treviso que moi j'adore. Je la trouve juste sublime. Ok. Je vais essayer de voir si j'ai pas la possibilité d'aller acheter un cadeau pour mon ami. Bonjour. Votre argent nous aide et vous pouvez faire de bonnes affaires. Niveau supérieur, super. Cool. Yes. Niveau supérieur de la boutique. En plus j'adore les cosmétiques. Ah, je peux acheter une nouvelle armure pour... Super. Acheter. Long manteau de voyage. Bec de corbeau, ok. Ensuite, oh jolie amulette.
Ok, ça je peux pas lui acheter tout de suite. Ok. Ah, oui, il y a un cadeau, trop bien. C'était exactement pour ça que j'étais venu, c'était pour offrir un cadeau à mon crush. Parce que oui, je suis quelqu'un de généreux. Enfin, Rook est généreuse, même si je vis cet amour par substitution. Ah, cool. On a un pourpoint, c'est exactement ça que je voulais, je suis trop heureux. Oh là là, ça c'est la tenue que je vais porter tout le temps. Là, qu'est-ce que c'est? Oh, un masque. Ok. Intéressant. Intéressant. Moi, tout ce qui est corbeau, j'adore. Hein. Vous savez, mon animal totem, c'est le hibou. Mais le corbeau en est quasi au même stade. Hein. Pour moi, c'est vraiment, vous savez, un passeur d'âme. Dans beaucoup de civilisations, le corbeau est là justement pour veiller sur les âmes des mortels. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant. Écoutez, je reviens tout de suite, les bouches, je vais chercher un plaid parce que j'ai très 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 froid. Il fait vraiment froid dans ma chambre et malheureusement, ma surchemise ne suffit pas. Je vous dis à tout de suite. Heureux à toutes et à tous, bienvenue sur Noctingame, merci d'être auprès de moi, ça fait chaud au cœur de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Nous allons poursuivre notre aventure sur Dragon Age de Veilguard. Ah, malheureusement j'ai l'impression que le jeu a bugué, bah décidément j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Je crois qu'en fait, là on est en train de me dire Noctis ne stream pas aujourd'hui, j'ai l'impression, parce qu'il m'arrive que merde sur merde. Ah bah oui, le jeu a planté, ok. Ok, ok, ce sont des choses qui arrivent. On va laisser... Oh, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui, hein, décidément. J'ai l'impression que le jeu me dit... arrête de jouer. Ça m'embête un peu. Ouais, ma paillette, je sais pas pourquoi ça me fait ça. J'ai tout qui bug sur mon PC. Alors, il n'y a rien de grave en soi, mais c'est embêtant. Ok, c'est pas grave. Je vais relancer le jeu. J'espère que du coup, ça ne va pas trop m'handicaper puisque je n'ai pas sauvegardé. En fait, j'ai l'impression que le jeu bug dès que je passe d'un écran à l'autre, vous savez. Donc, je vais arrêter de faire ça. Donc, je vais essayer de le relancer. C'est curieux, hein. Alors, pourquoi ça me fait ça? Du coup, je sais pas si je continue en live ou en off parce que... J'ai l'impression que j'ai pas mal de bugs aujourd'hui. Non, je pense... Ouais, non, je pense pas que ça soit une mise à jour, ma paillette. C'est pas une mise à jour, malheureusement. Je pense que c'est le jeu qui est... Mon ordi qui est peut-être pas forcément optimisé de fou pour le jeu. Et bah, du coup, ça crée des problématiques. Tu vois, en gros, quand je passe d'un écran à l'autre, bah, malheureusement, le jeu n'apprécie pas et plante. Voilà, chose qui n'arrive absolument pas, par exemple, avec Silent Hill 2. Mais avec Dragon Age, j'ai pas mal de bugs. C'est bien dommage. Mais c'est pas grave, on va trouver une solution. Je vais relancer tout de suite. Et puis de toute façon, j'ai aussi mon Streamlabs qui bug. C'est Streamlabs, tu sais, le logiciel avec lequel je stream depuis 5 ans. Et malheureusement, il bug pas mal aussi. Ouais, j'essaierai hors live pour voir si le jeu va fonctionner bien comme il faut. Donc je vais tout de suite le relancer. D'ici quelques secondes, ça devrait le faire. Comme ça, on pourra bien continuer l'aventure ensemble.
En tout cas, j'espère que vous allez bien sur le chat. Ah ouais? T'as déjà remarqué ça aussi, que Streamlabs buguait pas mal? Bah, c'est vrai que moi, il bug vraiment depuis hier, en fait. C'est-à-dire que là, je constate, quand je regarde le retour, que ça fonctionne, hein, je suis toujours en live. Mais en fait, quand je vais sur mon Streamlabs, il est figé sur ma tête d'il y a une heure. Et en fait, je pense que quand je passe de Streamlabs à Dragon Age Veilguard, Streamlabs ne doit pas trop apprécier. Donc du coup, il se fige. Et Dragon Age n'apprécie pas non plus, du coup, il plante. Mais malheureusement, ça arrive avec ce jeu. Pourtant, il est peut-être un peu plus gourmand que Silent Hill 2 Remake, qui est déjà très gourmand en soi. Donc je pense que c'est peut-être aussi un rapport avec ça. Je sais que j'ai baissé, je suis passé de élevé à intermédiaire au niveau graphique. Bon, je constate qu'il lag toujours. Coucou Yogo, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir ici. Merci d'être là. Ta journée se passe bien? Allez, on est sur l'écran de chargement du jeu, je suis à 67%. Par contre, il y a des temps d'attente assez longs, je trouve, sur Dragon Age. Hein. Quand tu lances le jeu, t'attends quand même 2 bonnes minutes. Oh mon Yogo, je t'envoie plein d'amour. Je t'envoie plein d'amour pour te remonter le moral. En tout cas, t'es avec nous et on va te faire passer un bon petit moment. Alors oui, la création, on l'a faite déjà jeudi dernier, le 31 octobre. Elle a duré plus de 2 heures. Allez, on est de retour sur le jeu. Bienvenue à toutes et à tous. Et on va pouvoir continuer. J'espère que ça va me remettre là où j'étais. Non, là, on est à 13 heures de jeu déjà, là. Ok. Donc ça charge. Mais non, attends. Hey, on a tous une vie, hein. T'en fais pas pour ça, va. Alors, je pense que du coup, je dois racheter ce que je souhaitais. Donc, on va aller là. C'est vrai que je constate, par contre, c'est quelque chose que j'avais pas ressenti avant, mais pendant ces vacances, il y a moins de monde sur Twitch. Continuez à éliminer les entames et je continue de vous approvisionner. Ok. Donc, je pense que j'ai pu débloquer mon apparence. Tout va bien. Ok. Bonne chance avec vos contrats. L'écran du jeu est mal cadré? Ah oui? Ah oui, dis donc. Ah ouais, non, mais c'est mon Streamlabs qui bug. Oh, décidément, j'ai pas de chance. Écoutez, les hiboux, je pense que je vais pas persister parce que... Là, ça... Autant, je suis... Là, je sais pas, ouais, je suis un petit peu blasé, je vous avouerai. Ça m'arrive jamais en live, mais... Mais là, je crois qu'aujourd'hui, ça veut pas. Et quand ça veut pas, il faut pas forcer, je pense. Sinon, c'est... Alors, attendez, je vais essayer de relancer Streamlabs. Donc, je vais quitter le jeu. On va retourner sur Streamlabs. Je vais devoir malheureusement relancer. C'est bien dommage que ça fasse ça. Tac. Allure. Effectivement, c'est mon Streamlabs qui est complètement détraqué.